Salut YouTube, c'est Rooster, nouvelle vidéo de The Benedict Killer avec Billy, un build que j'utilise beaucoup en ce moment, que j'aime énormément, qui se basera vraiment sur l'utilisation de votre tronçonneuse et sur la protection de générateurs. On y va. Déboussolé du clown qui fait que votre vitesse lors d'un saut d'obstacle est 15% plus rapide. Lorsque vous allez donc sauter par-dessus, l'entité va bloquer le lieu pendant 16 secondes et ça n'affecte pas les palettes et un seul lieu à la fois. Vous allez prendre crochet plagiateur écho douleur de l'artiste, vous avez 4 crochets qui sont placés sur la carte et vous verrez leur aura en blanc. Vous avez 4 jetons, 1 jeton par survivant. Lorsque vous allez hook un survivant à l'un de ces crochets, vous perdez un jeton. Le générateur avec la meilleure projection va exploser, il perd immédiatement 25% de progression et commence à régresser. Lorsque vous avez hook chaque survivant à l'un de ces crochets, il se désactive et redevient des crochets classiques. Rejeton de l'ombre du spectre qui fait que votre champ de vision est supérieur à la normale de 15 degrés. Et le tour et jeu du clown qui fait que lorsque vous allez hook un survivant, eh bien le générateur suivant que vous allez endommager perdra 30% donc de progression actuelle et cette compétence est active pendant 45 secondes après le hook. On a donné les bottes à pointe qui vont augmenter de 44% la vitesse de rotation d'attaque ruée et qui vont augmenter de 28% le temps de récupération après avoir frappé un objet avec la tronçonneuse. Enfin la tronçonneuse Lopro qui fait que vous allez poursuivre votre attaque ruée après avoir brisé une palette ou un mur. Les survivants donc frappés par la tronçonneuse moins de 5 secondes après qu'une palette ou qu'un mur ont été brisés perdent un seul état de santé. Alors l'idée d'en subir des simples, déjà avec le rejeton de l'ombre et les deux add-ons, vous allez vraiment utiliser au maximum votre tronçonneuse. Si jamais un survivant pré-drop, n'hésitez pas à précharger votre tronçonneuse au niveau du loop. Vous pourrez détruire la palette, si jamais il est blessé, vous pourriez éventuellement le mettre en état critique ou bien alors le blesser tout simplement. Avec votre botte à pointe, vous aurez un énorme turn. Attention cependant, vous avez comme une pénalité de 28% de temps de récupération. Si jamais vous n'êtes pas forcément, confortable avec ce genre de donne, vous pouvez éventuellement prendre la gravure de mort ou pourquoi pas la botte à papa. Et enfin, vous avez aussi le tableau de chasse, ce qui vous permettra, si jamais vous découvrez le personnage, de mieux contrôler vos turns. Avec le déboussolé, vous allez vraiment nullifier le côté donc faible des tueurs à tronçonneuses qui sont les fenêtres. Vous allez donc bloquer les fenêtres. Si jamais un survivant n'a pas une autre fenêtre ou bien une autre palette à proximité pour se défendre, vous pourrez tout simplement vous rapprocher donc de celui-ci et vous allez donc baisser votre caméra au niveau des pieds. Vous allez charger votre tronçonneuse et vous pourriez le mettre en état critique facilement. Enfin, le crochet flagellateur écho douleur va vous permettre de ralentir la game. Si jamais vous contrôlez donc votre partie, n'hésitez pas à conserver peut-être un crochet pour la fin de partie et essayer de bloquer donc le forcing au niveau d'un générateur. Je vous en découvre ce gameplay, ça se passe sur Nostromo. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à le petit pouce bleu et la cloche. Vous pouvez me retrouver sur Twitch du lundi au samedi. Amusez-vous bien sur DBD et bonne chasse à tous. Tu joues pas les bonnes perks, c'est tout, en fait. En fait, tu joues pas les bonnes perks, c'est tout. Poney, c'est, il faut jouer en planque, il faut jouer hyper concentration, fais tes preuves, etc. Tu vois. Et là, tu verras que tes gènes, ils vont aller à une très bonne vitesse. Allez, c'est parti. Ok. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà le genre. Il a soupe. Ok. Ok, lui il a l'air de courir vachement vite aussi le ref. Non mais ça passe pas ça. Je sais pas mais minimum quand même. Ok, il est là-bas. Il a continué, hein. Il est là. Ok, parfait. Oui, c'est nul. Mais en fait, il y a plein de gens dans des BD, que ce soit en killer, sur... ils jouent pour gagner, tu vois. Il faut pas... Tu vois, par exemple, ton fun, ça va être de jouer, par exemple, en loop ou autre. Mais pour certains, c'est pas du tout ça, tu vois. Ça va être vraiment d'essayer d'arracher un peu les gènes et tout, tu vois. Il y en a pour qui le côté vraiment... Ah merde, putain j'ai fait de la merde. Bon, on va arrêter de faire les cons. On va arrêter de faire le con, on va y aller. On va arrêter de faire le con. Là je vais faire une fake conso. Voilà, la fake conso qui passe. Ok. Elle a pas atterrissage équilibré. Ah oui, d'accord. Ça pré-drop. Là, elle va fake la palette. Voilà. Mama.
d'accord, demain. Allez, on va pop celui-là, qui est en terrain gène. A mon avis, ça va en back save. Ouais, voilà. C'est qui? C'est Monsieur Harrington. Voilà, il y a Mademoiselle Wong. Mademoiselle Wong. Pardon? Elle a confié. Encore toi, mon ref. Décidément. On se quitte plus, toi et moi. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, le mec, tu vas me dire que là, il arrive à me toucher, alors que je suis pas du tout dedans, mais il n'y a pas de problème. Ouais, je vois le genre. Je vois ce que tu veux faire, Steve. Vraiment, je te vois, mon ref. T'inquiète. Trop fort. Solide, le Steve, solide. Très solide. Bon, j'ai vu la Néa. Bon, elle a fini le gène. Il y avait la Néa qui était là, elle a fini le gène. La Feng, je l'ai vue tout à l'heure. Voilà. Le gène là, il va être fini. Et deux fronts. Je savais qu'elle avait deux fronts. Hein. Voilà. Allez, mange. Lui, à mon avis, la DS. Bon, on va le prendre. Mais à mon avis, la DS, lui. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Hein? Allez hop, tu vas mourir un peu. Voilà, et maintenant il y a la flash. Mais je lève la tête au ciel, mon ref. Faut pas faire mieux, hein. Voilà. Quand on n'est pas bon, c'est une belle histoire. Quand on n'est pas bon, comme Harrington. Harrington! Putain, mais genre ça passe pas, ça, mon ref. Ah, des dards, bien joué. Un i. Ça, c'est sexy, ça. Mais mon ref, fais pas de back, fais pas de moonwalk si tu fais ça, mon ref. Oh là 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 là. Allez, viens, bien mange toi aussi, là. Hein, goûte un peu, là. Bon, allez, on va le ramasser, c'est flash à nouveau. Bah oui, c'était sûr. Il est là. Bien joué.
Ouais, solide. Les manches. Bon, vas-y. Ok. Ils tiennent vraiment 2 secondes en chase, hein, mais pour le coup, l'autre, elle me casse les couilles avec sa flash. Mais elle est pas bonne en plus, c'est ça le pire. Tiens, mange. Elle est nulle en plus, la Feng, hein, sans déconner, la vérité. Hein. Il n'y en a aucun qui est bon dans leur team. Hein. C'est sûr. Ils tiennent 2 secondes. C'est... Average, average survivor skill. Elle est trop nulle. La vérité, ils sont trop nuls. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais, je vois le genre. Ah, vous êtes vraiment solides, les gars, pour une team. Hein. Paissant, hein. Paissant, ils sont paissants. Hein. Elle est paissant, elle. Hein. Tu disais... de quoi, The Rock? Tu disais quoi, The Rock? Bon, t'es là, mon petit Steve. Bah ouais. Bah ouais, mon petit Steve. Il y aura pas le temps, il y a personne. Non mais sérieux, mon ref. Ah oui, 2 fronts. Mais attends, mais ils sont déjà là en plus. Non mais ça va, oui. 2 fronts. Into flash, quoi. La vérité, quoi. Ok, d'accord. Tiens, mange. Ça me dérange pas, moi. Hein. Mange toi aussi. Bon, tu sais quoi? On va faire une autre stratégie. On va faire une autre strat. Voilà. Allez, viens là, toi. Voilà. Allez, hop. Allez, allez, venez là. Venez un peu, là. Voilà, allez, toi t'es mort. Voilà, les gars. Je vous apprends à jouer, moi, un peu quand même. Je vous apprends à jouer. Tiens, viens, tu vas goûter, toi aussi. T'inquiète, moi je vous apprends à jouer, moi. Voilà, allez, mange. Voilà. Ouais, le recul quand elle est sortie, t'es assez marrant. Ouais. Le recul quand elle est sortie, t'es assez drôle. Ouais. Voilà, serpillez bien. Voilà, allez. Le paissant. Mademoiselle Carson. Très solide, Mademoiselle Carson. Très solide. Allez, vous. Ne jamais abandonner, même si vous vous faites bully, les refs. Bon, du coup, The Rock, madame, elle m'a dit que tu l'avais explosé... avec la séance de sport, du coup. Ah, bien sûr, bah oui, bien sûr, oui. Bien sûr. que tu lui avais éclaté les biceps, quadriceps, etc, etc. Ah, j'ai trop envie de la slug à mort, elle. Je pense pas que j'aurais le... Je pense pas que j'aurais le crochet là-bas. Ça m'étonnerait. Juste avant. Ah si, c'est bon. Bon alors. Allez, ça dégage. Moi non, c'est chaud. Ouais, à mon avis.